mes petits choux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule comme vous le voyez. Je suis avec Maëva et on est avec Arma. Présentez-vous rapidement, quel âge que vous faites dans la vie et votre situation amoureuse vu le sujet de la vidéo. Ok, bon Maëva, j'ai 27 ans, je suis maquilleuse et moi je suis pas mariée, je suis pas en couple. Donc dans célibat. Et depuis combien de temps à peu près? Jadis, autrefois. Et toi? Et moi, Rama, 25 ans. Je suis vendue chez Nike et je coiffe à côté également. Je suis en couple depuis bientôt 2 ans. Ok, et moi vous savez normalement que je suis en couple depuis un peu plus de 2 ans. Donc on a une situation un peu similaire. Et elle justement elle est célibataire, donc ça va être super intéressant d'avoir 2 avis différents. Et puis même le mien aussi. Donc on va commencer, je vous explique le concept. Donc c'est des situations qui sont un peu complexes. Pas du style votre copain vous a trompé, il a couché avec une fille. Ça va être un petit peu plus complexe pour que vous me disiez si vous pensez que c'est de la tromperie ou pas. Voilà. Ouais. Et surtout est-ce que vous pardonnez ou pas, en fonction du degré, en fonction de la situation. Faut être objectif dans le sens, tu vois, des fois on se dit ah là mais je le quitte, nanana. Non là faut dire vraiment ça arrive pour de vrai, voilà, t'es amoureuse comme jamais. Vraiment qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est facile à dire, mais là on essaie de se mettre vraiment en pratique dans les faits ce qu'on ferait, d'accord? Ce qui serait intéressant c'est que vous jouez le jeu, c'est-à-dire que voilà, dans les commentaires vous numérotez, voilà, et vous dites ce que vous aurez fait, parce que bon, nous on a peut-être notre avis. Donc première situation, vous avez été invité à une soirée, vous n'avez pas pu venir, nous n'avons pas pu venir, votre copain y est allé seul et le lendemain on vous rapporte qu'il a embrassé une fille sur la joue. Attention. Moi, c'est complexe. C'est comme la première. Moi je pense que ça dépend c'est qui la fille et à personne. Donc le musique ça importe. Ouais, voilà. Genre si c'est une menace. Et si jamais la fille est mignonne en soi, qu'est-ce que tu fais? Parce que bon c'est facile à dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ça reste un bisou sur la joue. Je sais pas, que je vais pas le mentionner. Toi aussi, ouais. Il me le dit. Ouais. Et s'il me dit rien, bah je laisse couler. Et si on me le rapporte une deuxième fois et que je vois que c'est la deuxième fille, et pardon. Ouais, ouais. Pas bête, pas bête. Ouais, pas bête. Et toi? Moi je suis une rageuse. Ok. Ouais, j'aurais peur. Je suis une grosse rageuse. On va parler calmement. Ouais. Après, si je vois en fait, finalement, il me dit vraiment toute la vérité que ce qu'on m'a rapporté. Ouais. C'est-à-dire, il dit pas des petits bouts. Après, oui, c'est vrai. Ça quand c'est sur la joue, ça passe. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, ouais, j'aurais eu le seum. Voilà. Je vais prendre sur moi, je pense que je vais faire une bonne crise, mais voilà. Après ça va passer, je pense. Ton copain a rencontré une fille en soirée. Donc c'est la même fille, on va dire. Tu vois. Et ils ont discuté. Lorsque elle lui a demandé s'il était célibataire, il a bégayé. Il a pas dit oui, il a pas dit non, il a bégayé. Et il a accepté de lui donner son numéro. Mais ils n'ont jamais parlé après. C'est chaud. Répète la situation. Attends là. La gaffe est comme s'il était pas été célibataire. Okay, ouais, voilà. En fait, il laisse le doute voilà, s'installer. Il dit pas vraiment si... Voilà. Ils ont jamais parlé, mais il a quand même donné son numéro. Il a quand même bégayé, ouais, quand on lui a demandé. Est-ce que ça, c'est de la tromperie? C'est du début de tromperie. Ouais. C'est envisagé. Ouais. Ouais, bon, ouais, peut-être que, donc du coup, ouais, ça passe pas. Pardonnez-vous ou pas? Pas chaud, hein, de relation moi, pour ça. Par contre, je voudrais savoir pourquoi il a voulu voir. Enfin, qu'est-ce qui va pas avec moi ou pourquoi et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que il se dit bah, il a besoin peut-être de voir ailleurs. Ou... Troisième situation. Tu tombes sur une discussion sur Snap par exemple et dans la discussion est assez platonique, mais tu vois quand même des petits cœurs, des petits émojis, bisous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ça me fait rien. Ouais. Je vais peut-être faire un petit semblant histoire de c'est quoi ça, mais les émoticônes tout le monde envoie. Ouais. Moi pareil, surtout que moi j'envoie des petits mots. Bien sûr, ouais. Souvent à la fin. C'est tellement banal d'envoyer des cœurs. C'est ça, tout ça. Limite ça compte une phrase. Donc ça, ça passe. Donc... Ça c'est chaud. T'apprends par quelqu'un que ton copain en fait a croisé son ex. Et puis comme ils se connaissent, ben, ils ont échangé 2-3 mots. Et puis quand il est parti, ils se sont échangés un petit bisou sur la joue. C'est une blague. Sur la joue. Mais voilà, elle t'explique que voilà, j'ai un bisou sur la joue quoi. Non. Ouais, moi non plus. Moi c'est l'ex. Moi les ex. Moi c'est pas possible. C'est vrai. Ouais. Ça c'est une tentation, ouais, ça. Bah oui, c'est ouais, ouais. Ouais. Ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Donc copain, il se retrouve dans un lit avec une fille. Mais pas de bisous, pas d'échange, mais c'est un câlin, c'est des papouilles, tu vois, les petits trucs de papouilles, genre les petits trucs. Non, en fait, c'est, on va dire câlin, mais pas câlin. Elle n'a pas fini la conversation. C'est ce genre de truc, ça entraîne quelque chose. Genre, il te dit, il n'y avait pas d'ambiguïté, tu vois. Il te dit, c'était un câlin. Donc, il n'y a
contact, c'est chelou. Ouais. Ils ont un lien en plus. C'était chelou. Je serais que me le dises. Donc, voilà, c'est ça. Là, on voit du coup qu'il y a une confiance. Etc. Et c'est qu'il y a sûrement rien. Il y a sûrement rien. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux comprendre le contexte fatigué, KO, nanana. Après, si la fille elle est tactile ou je sais pas quoi. Des fois, elle est fatiguée, il se passe des trucs bizarres. Mais juste, je serais fâchée avec pour la situation dans laquelle il s'est mis. Tu peux le bouder. Ouais, mais voilà. Je pense que tu veux pas le quitter. Ça dépend. Tout le monde a. Voilà. Tu sais, sur ton fil d'actualité Instagram par exemple, tu vas dans, vous savez, à côté là, on peut voir qui fait quoi, qui aime quoi, qui fait quoi. Et tu vois que ton copain s'est remis à suivre son ex. Elle dégage mon ex, on est dans les zones tordues. Il te dit non, mais y'a rien et tout, non. Y a rien. Ouais, c'est bon. Ouais, ah, mais franchement, je en dis fait, clairement, si tu veux, c'était fini. Tu laisses une porte ouverte. Ouais, moi, ça me dérange, c'est pas possible. Et en plus, pourquoi faire? Ouais, en fait, pourquoi tu veux la contacter? Non, c'est mort. Si tu veux la suivre, tu vas avec elle. Ah, mais bon, elle est bah, encore, tu vois, il y a des garçons, ils suivent, tu sais, les filles boujolies là sur Insta. Là. Oui, là, ouais, les inaccessibles. Voilà. Les américaines. Voilà. Loin. Bah, un peu dans le même contexte, il aime une photo. De l'ex? Ouais. Dès qu'il y a ex, là, c'est mort. Hein. Ouais, c'est la même chose. Ça dépend en plus, c'est quel genre d'ex, comment ça s'est terminé, tout. J'avoue, j'ai pas pensé à ça. Il y a des ex qui datent il y a 2500 ans. Et il y a vraiment rien. T'es au courant. En tant que pote, il n'y a pas de soucis, ça, ouais. On s'est toujours bien entendu. Mais bon. Ouais, donc toi, tu pourrais. T'accepterais que ton copain soit pote avec une ex même comme ça? Moi, c'est mort. Moi, c'est mort. En fait, moi, le problème, c'est pas ça. C'est que moi, quand il est en couple avec moi, il n'a pas de pote fille. Ah bon, on est d'accord. En fait, t'es dur. Non, ça dépend. Parce que moi, il a pas d'amis. Toi, quand tu comprends. Ah, mais. Merci. Toi, tu vas te confier à eux, tu vas les voir quand ça va pas. Il a des amis, gars. Il a des amis. S'il veut une pote, il veut une amie, fille. Il prend sa mère ou sa soeur. Voilà. Il prend pas autre chose. Amie, fille, garçon. Moi, je suis un peu contre. C'est-à-dire, le soir au téléphone, je t'appelle parce que je suis pas bien, je sais pas quoi faire, je t'appelle, on reste 3 heures au téléphone. Ça, mon copain, il va faire ça avec une fille. C'est pas moi. Non, mais après, par contre, ça, non. Tu vois. Donc, ton copain, il va en soirée. On te rapporte pareil une chose. Et très probablement, il était sous alcool. Et très probablement, il y a eu un jeu. Tu sais, les jeux avec la bouteille, ça tombe sur une fille et lui. Et il a smaqué la fille. Quoi? Il te dit, j'étais sous alcool et tout. Je me rappelle même pas très bien. Oh là là. Là, ça réfléchit de ce côté. Demain, ça arrive. Ton copain à toi que t'aimes, demain, ça arrive, il te dit ça. Tu pleures et tout. Mais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que s'il était bourré, ça n'a pas trop d'importance et des fois quand on est bourré, on fait des trucs bizarres. Oui, voilà. Des trucs bizarres. Oui, moi, le pire, c'est que moi, je pense que quand je me mets en couple, mon mec, il va pas en soirée tout seul en fait. C'est un problème. Je me mets dans des trucs bizarres, mais vas-y, rentre chez toi ou tu fais qu'un appel, j'en sais rien. Fais, oh, un truc à faire. Si, cette fois, ce n'était pas un smack, mais c'était plus. Un sport sexuel? Non. Ah, parce que là, je commence à transpirer. C'était un bisou, mais un vrai bisou. Le truc, tu vois. Petite langue, petit truc. Enfin, est-ce que vous faites une nuance entre les deux? Déjà, intéressant. Intéressant. Il faut pardonner tout tant qu'il n'y a pas de sentiment. Sérieux? Même quand il n'y a pas de sentiment, des fois, non, en fait. Non, ça peut ancrer. Hein. Est-ce que tu sais que ça peut ancrer? Oui, ça peut ancrer. Mais là, en l'occurrence, moi, ce qui me fait peur quand je pardonne ça, là, même le bisou et la galoche bourrée. J'espère que ça recommence. Voilà. Moi, je suis une rage de la vie. Moi, je dis ça là, depuis tout à l'heure. Déjà, juste un gène, ça m'énerve. Mais vas-y. Excuse de l'alcool, c'est pas. Ouais, c'est bidon parce qu'en fait, c'est toi qui te maîtrises. Voilà. Ton copain a envoyé des messages à une autre fille. T'as vu le nom s'afficher, mais en fait, il a tout effacé. Donc tu sais, bah, il te dit bien évidemment qu'il n'y a rien, mais tu sais mort. Non, c'est mort. C'est mort. Bah, s'il y a rien, il y a rien à effacer. Je suis d'accord. Ok. Maintenant, tu sais vraiment pas. Est-ce que tu vas quitter ton copain pour quelque chose que tu ne sais pas? Bah, tu déjà, les joues sont ma confiance. Par contre, tu caches quelque chose à te reprocher. Ouais. C'est mort. Ouais, c'est est-ce que je peux le quitter? Je vais attendre. Je vais l'embrouiller sale et je veux tout savoir. Parce que t'es vraiment importante pour lui et que toi tu t'éloignes, mais genre tu te calcules pas. Il va revenir, il va tout te dire. Il va déballer ça comme un gâteau. Ouais. Ah, c'est dans le vécu, mon gars. Tu tombes sur des messages et franchement, c'est ambigu. C'est un petit peu ambigu. Mais il a jamais vu. Il te dit, il te dit désolé, tac, il supprime, il va jamais l'avoir, tac, c'est fini. Mais, tout dans un petit temps, t'as vu qu'il flirtait avec quelqu'un. C'est une remise en question totale pour moi. Ouais. Pareil. Genre, ça fait trop mal. Ça, là, ça fait mal. Tu vois, là, on commence à aller dans les mal. C'est bizarre. Là, c'est bizarre. Là, ça fait mal au cœur. Genre, t'avais besoin de parler avec quelqu'un.
pour te mettre bien. Non, non, non. Moi, j'ai trop mal au cœur. Moi, je pense aussi que c'est le genre de truc qui passe pas. Genre, si vraiment je regarde les messages et que je vois que c'est du flirt pur et simple, moi, je peux pas pardonner parce que pour moi, là, ça s'est arrêté parce que je suis tombée dessus. Ouais. Qui te dit que dans un an même, tu vois, moi, c'est mort. Moi, là, on rentre dans les trucs bizarres. Là. C'est trop. Voilà, c'est trop pour moi. Ça, c'est trop. Dès que c'est ambigu, c'est mort. Parce que même lui, il l'a vraiment envisagé, c'était pour son ego. C'est vraiment une grande discussion. Ouais, c'est une grande discussion, tu vois. Ouais, c'est vrai. Avec lui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous séparez pendant 3 jours. Vraie dispute, vraiment, c'est fini, tu vois. Pour une semaine, on va dire. Eh, hey, pour les LGBT, cette période. Ça fait penser à Friends, je sais pas si vous connaissez. Mmh. Non, dommage. Dans cette période-là, il a embrassé une autre fille. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Est-ce que c'est sous la rage? Et si t'aurais pu être rageuse et aller voir quelqu'un? Non, lui, ouais, mais vous étiez plus ensemble par contre. Ça, c'est. En fait, moi, c'est chaud. Plus ensemble. Chaud. Mais c'est trop tôt. Attends, attends. Dans le sens où la science s'est séparée, c'est que ça se passait pas bien. Et là, tu rajoutes une couche par-dessus, mais. Ouais, moi, je vais faire en ouais. Vite comme ça. Mais ça veut dire que t'étais pressée en fait. Ouais, non, mais t'étais pressée. Non, ça veut dire que t'avais déjà quelqu'un sous le tech. Concrètement. Déjà, on va vérifier ça. Concrètement, c'est t'as déjà quelqu'un dans. Déjà, on va vérifier ça. Au cas où. Il était bourré. Il était vraiment bourré. Il n'a pas été bourré. Il n'a pas été bourré. Oui, il n'a pas été bourré, mais il était vraiment bourré. Hein. Le lendemain, il est bien et il est en pleurs. Il pleure. Il vous dit, j'ai fait une bêtise. Quelle heure de bêtise? Une grosse bêtise. Il est en couple, complètement pété. Pas pété. Ouais, là, vous êtes en couple. Hein. Mais il était pété et il a couché avec l'autre. Ah, je pense qu'il n'était pas si pété, sinon ça ne se marcherait pas. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi c'est mort. Ah non c'est archi mort. Ouais. Ben bourré, je sais pas t'as quoi. Quoi? Mais c'est mort. Tu sais même pas les trucs de te ramener des maladies. Tu viens. Arrête de dire que ça m'énerve déjà. C'est chaud. J'espère que tu m'as bien entendu. En fait c'est. Genre tu m'as bien entendu, ok? Non non, tu t'es mis dans la situation, y a pas de seconde comme excuse. C'est pas un prétexte qui va changer l'acte. T'es vu dans ton téléphone et t'as cramé en fait qu'il avait changé le nom de quelqu'un. En fait, il y avait un nom, c'était un nom de garçon, on va dire. Et en fait, tu t'es rendu compte que c'était le nom d'une fille. Ah, j'ai capté. Genre, t'as appelé, exemple, t'as fait allô? Là, c'est Romain, mais en fait, il l'a appelé Pierre. Voilà, exactement. K.O. 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 De toute façon, c'est soit s'explique, soit on appelle la fille. C'est tout simple. Ouais, c'est tout simple. Le mensonge, c'est mort, j'aime pas les mentons. Tu apprends en fait qu'au travail, il y a une collègue. Une petite collègue comme ça. Et il flirte avec elle. Lui, il te dit non, mais c'est un peu lourd. C'est votre game, c'est voilà. La même chose. Enfin, voilà, il peut être bisous ou des trucs comme ça. Ça mais... commence comme ça. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça, mon gars. Sérieux. Et voilà, 2 ans après. Donc, c'est mort. C'est mort. C'est carrément mort. Ensuite, tu apprends qu'il est du coup à peu près, on va dire que c'est la même collègue, hein, qu'il est allé boire un verre entre midi. Non, c'est bon, entre midi et deux avec elle. Est-ce que tu l'as tromperie ou pas? Non, non, c'est pas de la partie boire un verre. Ouais, mais que elle, genre, comme si dans toute l'équipe, il y prend une seule fille. C'est pas de la tromperie, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Moi, je pense que ça va. Ouais. En plus, tu dépenses ton argent, genre, tes tickets restent. Non. C'est ça en fait le problème. Ouais. Et après, et après, allez tous ensemble. À 9 ans, on travaille ensemble, vous êtes déjà ensemble. Après un midi, que tous les deux. Dans une journée, la personne n'est plus avec ces gens que toi. Hein. Vous continuez encore. Hein, on en arrive à la dernière question. Il a téléchargé une application de rencontre. Elle va rencontrer des gens, moi salut. Ouais, moi salut, clairement. Moi salut. Mais vraiment, pourquoi t'as fait ça? Non, mais je voulais voir. Non, Après, est-ce que tu vas le quitter? Oui. Après, en fait, ceci, il t'explique. Là, c'est une grande discussion encore. Quelle pas une grande relation pour une application. C'est ça, en fait. C'est dur, c'est facile à dire, comme on a dit tout à l'heure. Mais le faire. Non. Il y a une mauvaise communication qui s'est faite et qu'on n'a pas eu ensemble le fait que ça va pas. Imagine, tu crois dans le coup, puis tu sais, sa mère, et de son côté, il est pas bien. Ouais. Ça, ouais, c'est chaud. Parce que moi je suis pas meuf qui partage déjà. Oui, bah. Parce que, attends, mais il y a des gens. On maintenant... a compris, je pense, depuis la question numéro 2. Ah, c'est vrai, il y a des filles qui acceptent ça. Hein. Nous, on a vu très clairement que là, nous sommes des filles qui n'acceptent pas tout ça. Voilà, voilà. Très clairement. Donc, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu. Je trouve qu'on est quand même. C'est bien, on est des filles un petit peu sévères. C'est pas des blagues. Voilà. Ça va, ah ouais, j'avoue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. Je mettrai vos réseaux, leurs réseaux sociaux. Voilà, allez les suivre. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Yeah.